Et salut, toi derrière ton écran, c'est Gamaliel, j'espère que ça va comme tu veux. Aujourd'hui, petite vidéo, petite démo sur un jeu PlayStation 4, une exclue même, PlayStation 4, Bound. Jeu développé par Plastic Studios. Juste, je regarde un truc, non, c'est bon, ok. Non, c'est pas bon. Hop, voilà. Donc Plastic Studios, aidé de Santa Monica, aussi Studios. Hop, on va lancer la démo tout de suite. Tiens, je vais te laisser juste l'intro. On se retrouve très vite après. Et donc Bound, développé par Plastic Studios, comme je le disais, petit studio connu pour Datura par exemple, jeu où tu ne voyais que tes mains, jeu PlayStation Move, et Linger in the Shadow aussi, sûrement, ouais, c'était eux. C'était vraiment un studio basé à la base sur la scène démo, en fait, ils faisaient des démos, enfin, pas des démos comme ça, où c'est une version d'évaluation, non, vraiment la scène démo, c'est-à-dire faire des performances artistiques avec des programmes, tu vois. Voilà, c'était leur délire en fait, ils s'amusaient à faire en gros des démos techniques, etc., etc. Bref, ils ont fait le petit jeu, et ça c'est un de leurs plus gros titres je pense, car bien original visuellement, comme tu peux le voir, esthétiquement, c'est la particularité de Bound, c'est qu'il y a énormément de polygones, comme ça, qui se baladent dans le monde, que des arêtes, tu vois, comme tu vois dans le décor, la seule courbe, c'est son casque, enfin c'est ses personnages, mais tout est coupé à la serpe. Donc voilà, on n'en sait pas plus, on incarne une héroïne qui est, comme tu peux le voir, la fille de la reine de ce royaume, qui est soumis apparemment à la destruction. Et ce que j'ai vraiment aimé, en fait j'ai vu la vidéo, elle a été présentée à l'E3 2015, ce que j'ai aimé en fait dans Bound, c'était vraiment le côté poétique. Regarde les animations. Tout est en... Comment dire? En légèreté, en finesse, tu vois. Et j'aime vraiment ça, tu vois. C'est vraiment... Là, on peut pas dire que c'est original visuellement. Bah, c'est un jeu de plateforme, hein. Donc ça n'a rien de ouf. Mais j'aime vraiment la légèreté, sa façon de se mouvoir. Et donc, je suis bien content qu'une démo soit enfin disponible. Pouvoir le tâter de mes propres mains. On voit clairement l'inspiration de la danse classique. Et ça, c'est vraiment classe. De ouf. T'as vu? Regarde. C'est dingue, hein. C'est tellement classe. Voilà. Je suis fan, déjà. D'entrée de jeu, j'adore ça. C'est comme une sorte de mer de polygones. Je crois que c'est un jeu qui va vraiment être reposant, poétique. Et tant mieux. Regarde bien, je sais pas si tu vois le détail. Sur l'ombre là-bas. Tout est une question d'ombre, de jeu d'ombre et tout. C'est vraiment, enfin c'est vraiment classe, je sais pas, c'est... On n'a pas besoin de texture en ultra 4K. Enfin, moi ça. On n'a pas besoin, voilà, de 7 points, de 3D, etc. Il est compatible VR, hein, d'ailleurs, vu que t'as vu qu'il y avait l'option acheter VR. Donc le PlayStation VR qui s'appelait anciennement Neo, je crois. Project Neo. Qui est le casque de réalité virtuelle de la PS4. Bon, je suis d'accord qu'on dirait des frites géantes. Là, je te l'accorde. Et ça n'enlève rien à la beauté de ce jeu. Ah, c'est un jeu, ça fait beaucoup penser à Journey. Si Journey, une journée.
si tu connais, que j'ai sur PS3 d'ailleurs, qui est vraiment aussi sympa, qui était poétique. What? T'as vu? Non mais regarde même là, regarde. T'as vu l'ombre? L'ombre en fait c'est elle quoi. Ou sa mère, je ne sais pas. C'est ultra classe quoi. Ça c'est quand je maintiens R2. C'est une sorte de bouclier. Ça c'est sûrement une esquive. Non. Je suis. Tant pour moi, désolé. C'est autant pour moi, désolé, sans rien. Hop. Passer par là. Mais les barreaux quoi, enfin je sais pas si. Ouf quand même. Tout est pensé, chaque animation est réfléchie. Regarde, même ça c'est classe. Tu sais que je suis. Enfin si tu sais que je suis fan de ce genre de jeu, vraiment. Je ne connais même pas le prix de ce jeu, je crois que c'est une 20aine d'euros. Sûrement. Vu que c'est un jeu démétallisé, il n'est pas dans le commerce. Et justement à propos de la des mouvements, t'as vu, c'est de la motion capture, c'est sûr et certain. Et si je ne dis pas de conneries, c'est une. Les mouvements étaient capturés sur une danseuse. Vous avez un petit problème de micro. Donc ouais. Si je me rappelle bien, j'avais lu un article là-dessus. Apparemment le monstre, il doit être là-bas, regarde. Ah regarde là. Donc il se cache et tout. C'est ouf. On va y aller. Et il est là, regarde. Donc il y a une tête de chat, t'as vu? Donc, je vais terminer ce que je voulais dire. Donc oui, c'était, si je ne dis pas de conneries, si je me rappelle bien, je pense que c'est pour ce jeu-là. C'est, les mouvements ont été basés sur la danseuse Maria Udo, je sais pas, Udodo, je sais pas. Voilà. Et je sais qu'il y avait un chorégraphe aussi dans l'histoire. Je ne saurais te dire son nom, car je le rajouterai au montage. Quand même rendre à César ce qui est à César, et c'est pas tous les jours qu'on a une motion capture basée sur une danseuse et chorégraphiée par un vrai chorégraphe. Non, qu'est-ce que je voulais faire? Hop, voilà. C'est quand même assez intuitif hein. Au niveau des mouvements. Le son quand tu montes les échelles, c'est ouf. Je rends en admiration sur ces jeux, vraiment. J'adore faire un bon Battlefield 1, tu vois. Un bon Drive Club, un bon jeu de caisse, un bon jeu de guerre, etc. Mais ça. Voilà, ça me parle. Ça, il est là, regarde. Hop. Ok. Bon. Ok, d'accord. Il n'y a pas l'air si méchant. Ok. Rien dit. What? Hein? Quoi? Oh, c'est bizarre ça, je m'attendais pas à ça.
Attends, j'entends juste reconstruire. Ok. Je comprends pas le délire. C'est... Alors attends, c'est des humains, mais... Ok, bon bah voilà, c'est fini. Écoute, petite démo, bien courte, mais non moins dénuée de sens et de qualité. Hein, j'aime beaucoup. Bound, c'est sorti l'année dernière, sur PS4, je le rappelle, exclusivité PlayStation 4. Ça doit valoir une quinzaine, vingtaine d'euros. Et tu sais quoi, vu qu'on est très très bon, on va chercher en direct le prix de Bound sur PS4. Et je vais te dire combien il coûte. Et en fait, non, parce que... Ah, si, il est là. Il coûte 19,99€. Voilà. Actuellement, là où je fais cette vidéo. Voilà, il est sorti le 16 août 2016, donc bientôt un an. Et non, même, il est en promo actuellement à 7€. Donc, ban 7€ sur PlayStation 4. Je pense que je vais craquer. Voilà. Donc, surveille-moi, si t'as envie, sur Twitch, sur YouTube. Tu risques de voir Bound débarquer. Soit en follow live, soit en follow sur YouTube, on ne sait pas. Dans tous les cas, Twitter, si tu veux savoir ce qui se passe. Tout ça. T'as tous les liens en description, ou en haut dans la bannière, YouTube. Voilà. Très bon petit jeu, que j'espère bientôt faire de A à Z. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas, car moi j'oublie pas, à la prochaine. Tchuss.